Salut tout le monde, c'est Antoine et bienvenue pour ce nouvel épisode. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode ensemble sur Wrestle Unstoppable. On commence très fort. Je vais vous résumer ce qui s'est passé depuis ces plusieurs mois. Avec la musique de CM Punk, qui est ma musique d'entrée. Alors, j'ai été champion du Canada et oui, j'ai été, mais ça n'a pas duré longtemps parce que mon règne n'a pas duré longtemps, il n'a duré que 9 jours. 9 jours parce que. Au prochain combat, j'ai pas eu le temps de combattre. Et ensuite, que dire des autres superstars? Matt Hughes a fait une rivalité face à Wilson Whitaker. En soi, on va dire qu'il a gagné la rivalité. Mais c'est disons que la storyline ne s'est pas passée comme elle aurait dû prévoir. C'est-à-dire Whitaker a pété les plombs et il a quitté. Il a quitté la fédération auquel Matheus combattait. Oh, là, je suis en train de vous résumer ce qui s'est passé. Ensuite, Teddy Kay, il a rejoint la fédération de Monsieur Endoz. Et nous, nous sommes avec Mr. Natasha, nous sommes à Common Wrestling en compagnie de Zach Ambrose et de Matt Endoz. Et je vais me fixer un objectif, créer un clan. Mais le problème, c'est que pour le moment, j'ai déjà mon partenaire Casey en tant que membre du clan. Et pour le moment, en soi, la création du clan, ça s'est vite fait. On a massacré l'Undertaker. Oui, j'ai bien dit massacré l'Undertaker. Je vous explique comment ça s'est passé. C'est très simple. L'Undertaker a gagné par disqualification. Parce que, mon partenaire, qui a une superstar japonaise, a mis un low blow sur l'Undertaker. Et ensuite, suite à ce low blow, l'arbitre a été obligé de le disqualifier. Et ensuite, mon partenaire, Keiji, auquel je vais reprendre la série également, a tout simplement attaqué sauvagement l'Undertaker avec des low blows. Des power bombs sur les des tables ou sur le tablier ou sur le coin ou sur les barricades ou bien sur le sol froid. En gros, il a attaqué mais avec soit en le tabassant ou bien en lui faisant des power bombs un peu partout. En gros, il a visité Power Bomb City l'Undertaker. Et moi, je suis allé. Comment j'ai fait pour massacrer l'Undertaker? J'ai fait exactement les restes de l'Undertaker. Genre, moi aussi, je me suis amusé, je me suis servi, j'ai mis un petit last ride. Je suis retourné sur le ring avec lui, j'ai mis une autre powerbomb après avoir construit une table. Et ensuite,
Je l'ai détruit en faisant spi à travers un commentateur américain. Et en ce qui concerne Madden 12, lui, il a tout simplement été. Il a eu une opportunité pour un match, mais malheureusement, il n'a pas saisi cette opportunité. Et du coup, il s'est mis en mode broken comme un certain Matt Hardy. Et comme par hasard, son prénom commence par Matt. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous l'avez pas fait. N'hésitez pas à vous abonner. Salut tout le monde, à la prochaine.